AgroLuse, qu'est-ce que c'est ? C'est une enquête en ligne destinée aux producteurs de luzerne déshydratée. Elle permet de recueillir les itinéraires techniques des producteurs de luzerne et de les associer à des données météo et à des rendements. C'est un observatoire des pratiques sur des milliers d'hectares, exploitable sur plusieurs années. AgroLuse est un outil évolutif que nous avons à cœur de faire avancer avec vos remarques. Ainsi, depuis l'année dernière, l'enquête est nationale et nous conservons l'historique de vos parcelles. À quoi ça sert? Grâce à AgroLuse, les producteurs peuvent comparer leurs résultats à ceux des autres agriculteurs en faisant varier leur échantillon, soit sur la région ou à l'échelle d'une COP ou d'une usine. En fait, c'est un outil qui sert à progresser. Quels sont les résultats les plus marquants de cette enquête 2020 sur la récolte 2019? C'est que même en année sèche, il vaut toujours mieux semer derrière escourgeon plutôt que derrière du blé ou de l'orge. 2. Que les années 1 sont fortement impactées alors que les années 2 ou 3 le sont beaucoup moins. 3. Que le couple RC-tri-vibroculteur reste des valeurs sûres du désherbage mécanique. Et 4. Qu'il vaut mieux apporter un petit peu d'amendement tous les ans plutôt que de faire l'impasse une année. Pourquoi participer? L'agriculture évolue. Le climat semble changer. Nous avons des années de plus en plus atypiques. Vos pratiques changent aussi, par exemple avec le bio. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un état des lieux permanent de ce qui se passe en plaine pour pouvoir vous proposer de nouvelles solutions techniques. N'oubliez pas que ces données sont hyper importantes également pour la défense des intérêts de la filière luzerne. Et bien évidemment, comme toute enquête, plus nous aurons de réponses, plus les chiffres seront significatifs et fiables et utiles pour vous. Comment participer? C'est extrêmement simple. L'enquête est ouverte dès à présent. Munissez-vous de vos fiches parcellaires et rendez-vous sur votre moteur de recherche. Tapez AgroLuse et suivez le guide.